Amanchip du smuggle. Et encore quoi, qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas au courant, mais Waros, je ne suis pas au courant de ce qui se passe à Facebook là. Je n'étais pas au courant qu'il y a eu le retournement de situation. Je suis parti faire mes remembers. Vous savez qu'à l'heure, si j'ai fait les remembers, connaissez-vous mes remembers? Je sais qu'il y a un. Certains parmi vous, vous ne dormez pas. Mais. Connaissez-vous? Partagez. Pardon. Je viens de tomber sur un remember là que je ne suis pas au courant. Vous savez que la veuve joyeuse dans un débat et tout ça. Moi, je suis dans notre pays. Vous êtes dans votre pays. Et moi, vous savez, j'adore ça. J'adore quand moi-même, je découvre des choses. Et encore une fois, entre Maléba, Perpétue et Amélie. Qu'est-ce qui se passe? Merde. J'entends quoi? Hey, hey. Tu ne connaissais pas moi. J'ai dit que non. Comme Facebook là, je m'avais un peu regardé les remembers. En tout cas, écoutons ce nom de Waros. Hey, j'ai eu le haut-parleur. Merde, quoi? Qu'est-ce qui se passe à Facebook? Mettez le cœur. On est 5 personnes, même 10 personnes, non, ma personne, comment? À 10 personnes, on commence, non? Il faut partager, vous ne partagez même pas comment? Partager, parce que je n'étais pas au courant. Oui. Il faut partager parce que je vais écouter un peu l'histoire ici. Alors là, je suis un peu tutui, je ne sais pas. Donc, il y a eu des trucs comme ça. Bon, vous ne voulez pas me dire parce que vous savez qu'avec moi, quand je veux parler, ils vont dire que est-ce que je vous envoie pas mon téléphone? Pourquoi? Amélie et Maléba, c'est comment encore? Et ne partagez pas, moi, je veux partager. Ben, j'ai dit, tchut. Quoi, je veux partager mon nom. Vous êtes au courant, vous ne me dites pas. Moi, je veux aller regarder ce qui s'est passé. Hey, Facebook. Je suis un peu étonné, hein. Hey, vraiment. Comment on peut faire ça à quelqu'un? Qu'il y a quoi? Attends, je partage. Moi, je partage ma page. Vous ne voulez pas partager. Hein? On va écouter. Je suis dans les remembers. Je suis dans les remembers. On va partager. Ne partagez pas. Non, mais je partage. J'ai même les cœurs moi-même. J'ai beaucoup de comptes. Vous croyez que j'ai peur de vous? J'ai mis les cœurs moi-même. Les cœurs. Je suis dans les remembers. Vous me connaissez, non? Alors, si je mets mes remembers, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui se passe dans Facebook là? 10 personnes, on est 7. On est à 10. Je mets ce que j'ai appris, je mets. On vous a dit que moi j'attends 1000 personnes ou 20 personnes. Vous êtes malade ou quoi? Moi je suis à faire mes choses. Wombo, la famille, venez vous-même écouter une proche d'Amélie et une proche de Paramessa nous dit tout concernant Compresso et Amélie. Apparemment, la Gouta vous devez renouveler le contrat est terminé, tout simplement parce qu'elle a vu qu'elle n'a rien gagné derrière Compresso. Et actuellement, vu que le problème de la reine galloise est sorti sur les réseaux sociaux, la Gouta Boss lance le titre, toutes les promesses qu'elle a promis à Compresseur, que Compresseur et ambassadeur humanitaire devaient voyager, les promesses là sont où? Et aujourd'hui, la même Amélie, la même bosse de Compresseur fait déjà les éloges à la reine galloise, comme quoi la reine galloise n'est pas comme. Si la reine galloise est réellement dans l'humanité, pour de vrai. Mais par contre, il y a d'autres qui disent qu'ils sont dans l'humanité, mais qui prennent l'argent des dons, ils font la famille. Écoutez vous-même ce que cette dame dit. Que reine galloise, je te supporte. Reine galloise a demandé d'aller la supporter. Est-ce que la reine galloise t'a demandé d'aller la supporter? Tu as promis des choses, des utopies à Maléba, que tu es incapable de réaliser. Aujourd'hui, tu sors pour dire quoi? Le direct que tu as fait là, c'est pour attaquer Maléba? Hein? C'est comme ça qu'on peut jeter quelqu'un, Amélie? On peut jeter quelqu'un comme ça là, c'est pas possible. Tu n'as pas honte? Avec tout ce que tu as promis à Maléba Perpétue, tu viens la déposer comme ça au carrefour? C'est pourquoi tu oses dire attaquer ceux qui vous attaquent?
alors que Maléba est sortie attaquer Messang et son épouse pour te défendre. Pourquoi tu n'as pas dit ça quand Maléba est sortie se jeter sur Messang et son épouse? Il fallait le dire quand elle est sortie te défendre. Parce qu'elle n'avait aucun problème avec eux en ce moment-là. Oui. Tu n'as pas honte, Amélie? Tu n'as pas honte? Jusqu'à tu dis qu'il y en a qui font des litiges, des machins, ils prennent l'argent pour faire ce qu'ils, font ce qu'ils en veulent. Tu n'as pas honte, Amélie? On peut faire ça? C'est pas possible. Mais Maléba, ça t'apprendra. Hein? Je t'avais prévenu dans un direct. Ma boss, ma boss. Je savais qu'entre vous, là, ça n'allait plus. Parce qu'on n'entend plus trop ma boss, ma boss. La dernière fois, tu as parlé un peu du salaire et tu as glissé dessus. Mais nous, nous savons lire entre les lignes, nous avons compris qu'entre vous, là, il y a le torchon qui brûle déjà. Oui, on a compris. On n'entend plus parler des ventes privées, on n'entend plus parler de ma première classe, on n'entend plus parler de tout ce qu'elle t'avait miroité là. Il n'y a plus ça. On sait. Elle sort, elle fait une sortie comme ça pour venir te jeter entre les mains de tes ennemis. Amélie, on peut faire ça? Mes amours, qu'est-ce qui se passe? C'est que Amélie avait cru qu'elle avait affaire à une de ces grandes influenceuses qu'elle allait aider à vendre tout son stock de produits. Ma grande, écoutons aussi. Mais elle s'est rendue compte qu'avec Maléba, elle n'a rien vendu en fait. Oui, parlons peu, parlons vrai. Elle s'est rendue compte qu'elle a plutôt perdu beaucoup d'argent avec Maléba. Donc, elle a voulu se retirer en douce. Et maintenant, elle a le seum. Elle a le seum parce qu'en réalité, elle a perdu beaucoup d'argent dans leur collaboration là. Ça n'a rien donné. Moi, je suis au courant de tout. Ça n'a rien donné. C'est pour ça qu'on a entendu plus parler des ventes privées. Aux dernières nouvelles, après la vente privée de Nantes, il devait avoir une vente privée. C'était encore dans quelle ville-là, qui n'a pas eu lieu. Oui. Et du côté de Maléba, elle pensait qu'elle avait affaire à une bosse pas possible. À une femme qui avait tellement d'argent, parce qu'elle voyait tout l'argent qu'elle dépensait dans leur machin, comment vous appelez ça, dans leur clash avec le couple. Mais ça, elle entendait parler des sommes et tout ça. Elle se disait que, où je suis là, j'ai vu la poule aux œufs d'or. Donc, c'est l'une qui pensait avoir trouvé son messie. Chacune de l'autre côté. Après, chacune s'est rendue compte qu'en fait, ça n'a été que du bluff. Donc, chacune d'elles s'est lassée de l'autre. Et chacune d'elles a continué à vivre sa vie comme c'était avant, quoi. Mais l'une n'ose pas sortir dénoncer l'autre. Parce qu'elle se dit que, ah, chacune se dit que si je sors là maintenant pour dire que, oh, en fait, notre collaboration là n'est pas ce que, comme vous attendiez, les gens vont se verser, leurs détracteurs vont se verser. Surtout, nous là, qui avons les produits, on est venu dénigrer sur la toile. Elles se disent que, ah, si elles sortent là maintenant, nous allons dire que tout ça là, nos produits que vous êtes venus dénigrer sur la toile là, ça a donné quoi? Hein? C'est ça le véritable problème. Parce qu'elles sont noyées là maintenant, il n'y a plus d'entente. Une a dépensé beaucoup d'argent, l'autre, on lui a miroité des choses qu'elle ne voit pas. Donc c'est ça la collaboration aujourd'hui. C'est ça la collaboration aujourd'hui. Je parie que même le salaire qu'on avait promis à Maléba, je parie que le salaire, il n'y a plus. Oui. C'est pour ça que vous voyez les gens énervés comme ça là. Elles sont pour dire que je règne Galloise, je te supporte. Règne Galloise, tu as dit qu'elle a besoin que tu la supportes. Est-ce qu'elle t'a demandé de venir la supporter? Laisse Règne Galloise où elle se trouve là-bas. C'est pour aller encore lui mettre ta poisse que tu as sur ton corps là. Il faut la laisser. Tu es sorti ici pour attaquer nos produits, personne ne t'a rien demandé. Tu es sorti voulant montrer que nous, les autres propriétaires des labels, nous n'étions rien. Nos produits étaient des faux produits. C'est toi qui avais le bon produit. Tu as fait en sorte que nous-mêmes, nos clients, puissent commencer à douter de nous. Heureusement que nous sommes transparents dans notre commerce, transparents dans nos produits. Une comme moi, je suis transparente. J'ouvre mes boîtes, je les teste devant mes clientes. Quitte à perdre une boîte. Tu as voulu montrer au monde entier que tu étais celle-là qui avait créé l'auditation jusqu'à transformer le nom de l'auditation, auditation. Inalimité. Aujourd'hui, tu viens déposer ma lèvre au carrefour comme ça, là. On peut faire ça? Non, des femmes sans foi ni loi. C'est pas possible. Depuis que je vois la vidéo là, parce que tu dis que avec son triste visage là, je n'ai même pas envie d'écouter, mais pourquoi on m'envoie cette vidéo là? Je vois ça une fois, deux fois, trois fois, je ne fais que supprimer. Je ne fais que supprimer. Après mon esprit me dit, mais attends, tu ne fais que supprimer même. Écoute un peu. Écoute un peu ce que celle-là dit avec son visage tristouné là. Après je lis, attaquer ceux qui vous attaquent, j'écoute attaquer ceux qui vous attaquent, je dis pardon. De les enfants handicapés, ils sortent, qui peut faire ça? Ah bon? Donc, ton ambassadrice humanitaire, elle faisait alors quoi? Puisque tu nous as dit ici qu'elle s'occupait des enfants handicapés. Mais ça, on nous a dit qu'elle s'occupait des enfants handicapés. Maintenant, tu dénigres ce qu'elle-même fait aussi. Cameroun, wonderful. Non, vous êtes très forte. C'est pas toi qui lui avais donné le nom d'ambassadrice humanitaire? Hein? Maman peut prendre un village comme ça, 360 degrés.
Mais vous n'avez pas honte dans vos vies. Hein? Vous n'avez pas honte dans vos vies. Quand elle parle, il faut voir comment ses yeux font. Comme les yeux de quelqu'un qu'on a attrapé en flagrant délit. Les yeux font comme ça, bou, 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 à gauche, à droite. Tu sens que ce qu'elle est en train de faire là. Mais ces grandes personnes, des vieilles personnes peuvent se comporter comme ça. Vous ne pouvez pas être... Just missed my flight. Yeah, don't worry. I'll keep it safe. Est-ce que je peux appeler sa fille loyale à une personne dans vos vies? La loyauté vous a fait quoi? Dis à quelqu'un, je suis avec toi, et est-ce avec la personne? Comment tu peux avoir ton ambassadrice humanitaire, tu la déposes, et tu dis à une autre ambassadrice humanitaire, je te supporte. Je savais. La déposes en plein carrefour comme ça, là. Ce n'est pas toi qui aurais donné ton badge pour voyager avec. Maléva, ça t'apprendra. Il est ma boss. Un, deux, trois, ma boss. Une femme comme toi. Une femme qui a le même âge que toi. Non, je ne pouvais pas parler. Vraiment, j'ai vu ça. Excusez-moi, je ne pouvais pas parler parce que vous, les jeunes, il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on vous parle. Faites attention aux gens qui viennent vous parler, les Mungulajo. Les gens qui viennent vous raconter les grosses choses. Dans leur bouche, là, il n'y a pas de petites choses. Hein. Première classe, ambassadrice humanitaire, vente privée. Hein. Voilà ça. Il y avait encore quoi là? Si quelqu'un vous aborde avec ce genre de choses, fuyez la personne. C'est ça, ce sont les habitudes des femmes et des femmes. C'est quelqu'un qui vous vend purement et simplement le rêve. Oui. Hein? C'est grave, oh. C'est mal les grands noms, hein? Quand ils ont commencé la rivière, il n'y avait pas de petits noms, oh. Il n'y avait pas de petits noms. Jusqu'à même Nathalie, quand elle est partie les attendre dans l'avion, dans la passerelle. Maman, il n'y avait pas de petits noms, oh. Il n'y avait pas de petits noms. Maléba, elle se voyait déjà. Pourquoi elle était ambassadrice humanitaire? C'était comme les ambassadeurs et les ambassadrices que le président de la République nomme souvent, oh. Je crois qu'elle pensait que c'était déjà ça, hein? Il est très, la pauvre. Parce qu'elle avait dit qu'elle a le badge d'ambassadrice humanitaire, personne ne peut l'arrêter. Elle a le badge que sa boss lui a donné. Elle avait dit quoi? Personne ne peut. Je ne sais même pas parler comme elle. Personne ne peut m'arrêter. Personne. Ouais, c'est ce qu'elle avait dit. Personne ne peut m'arrêter. J'ai le badge d'ambassadrice humanitaire que ma boss m'a donné. Personne. Oh, il ne faut pas souvent venir rire quand je fais mes choses. Florence Paturo, bonsoir. Personne ne peut m'arrêter. J'ai le badge d'ambassadrice humanitaire. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'interpeller. Ouais, quoi que. Edwige, bonsoir. Ouais, elle pensait que le badge là, ambassadrice humanitaire, c'était un peu comme les ambassadrices que le président de la République nomme souvent là. Je crois qu'elle pensait que c'était ça, hein. Ah, ok. Elle t'a déposé, oh, la pauvre. Oh, elle dit, je n'aime pas ça. Ouais, tu vas partager pourquoi? Je jure, oh, elle avait dit ça. Personne, j'ai le badge d'ambassadrice humanitaire. Personne ne peut m'interpeller. Personne ne peut. Elle est en français, là, comment même, je ne comprends pas. Bon, bref, c'est ce qu'elle voulait dire. Camille Maléba, tu as son temps, hein, la mère. Ouais, bon, on rigole, on est là pour rigoler. J'ai son temps. Quand tu viens dire que tu peux sucer la canne à sucre, continue à sucer. Moi, je ne sais pas si elle est handicapée. Elle a dit que c'est son handicap, non? On est là, on s'ennuie, on est là pour rigoler, c'est un samedi soir. Et personne ne peut m'arrêter. Ah, je sais quoi? Le téléphone handicapé sans badge, donc pas reconnu. Ah, mon frère, moi, je suis pas handicapé, donc je ne connais pas l'histoire là. Camille Maléba, elle m'a tellement insulté que je ne lui ai jamais répondu. Jusqu'à envoyer son zozo, son minable, qui est au Maroc, là, m'insulter. Est-ce que moi, je réponds aux gens comme ça? Elle n'est rien dans mon système. Ah, elle est handicapée parce qu'elle ne sait pas lire. Hein? Ah! Mais quand les autres là à l'école, elle était chef machin humanitaire quand t'as donné là, ça ne vaut rien. Le titre d'ambassadrice humanitaire, tout ça là, c'est rien, tant que ça ne vient pas des hautes instances. C'est ce que je suis en train de te dire. Et lis ce que les gens sont en train de te dire là, que tu n'as pas une carte de handicapé, ça ne vaut rien. Tu es seulement là pour venir nous montrer. Et tout ce qu'on écrit, même là, ce n'est même pas toi qui écris. Mais c'est ça, elle a tellement cru. Même là, elle n'est pas en train de vous lire pour dire que mince, donc on m'a roulé dans la farine comme ça, là. On a aveuglé qui? Est-ce que nous, on a votre temps? Nous, on a nos activités, hein? C'est vous qui êtes sur Facebook H24. C'est Facebook qui a votre activité. C'est vous qui croyez en Facebook. Facebook, c'est le virtuel. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un statut, vous partez vous accrocher, vous allez chez les bonbons, les attacher, pour que ces personnes continuent à vous donner de l'argent. Et maintenant que ces personnes n'ont plus d'argent, ouais, ces personnes n'ont plus d'argent, ouais, à courir là, boum, 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 sur le dos du couple, mais ça. Quelqu'un que tu as rencontré à travers des gens, à travers tes relations. Tu te mets avec la personne, tu insultes tes relations. Et la personne est en train de te dire aujourd'hui que, insultez ceux qui vous insultent, attaquez ceux qui vous attaquent. Donc elle est en train de te dire à toi-même que pourquoi est-ce que tu as attaqué le couple de Messa alors qu'eux, ils ne t'avaient pas attaqué. C'est ce qu'elle est en train de te dire. Tu vois ça? Tu vois comment on peut manipuler quelqu'un? En fait, elle s'est jouée de toi. Elle t'a utilisé pour insulter les gens, pour détruire ta relation avec le couple de Messa alors que tu n'as aucun problème avec eux.
Elle vient te dire aujourd'hui qu'il ne fallait pas les attaquer parce qu'elle ne t'avait pas attaqué. Non, elle veut venir, elle dit maintenant qu'elle supporte la reine galloise pour avoir la compassion de qui. Toi, tu veux, le langage que tu tiens aujourd'hui par rapport à la reine galloise, Amélie, c'est le même langage que tu tenais par rapport à Maléba. Qu'elle fait de l'humanitaire, que les gens, les médecins insultent Maléba parce qu'elle fait de l'humanitaire, parce que les choses que j'ai le message, je de sortir pour dire que c'est lui qui avait demandé à Maléba de faire ça. Ah. On s'en fout, on ne cherche même pas à savoir quand était le contrat, Edwige Modeste, tu sais. On n'a pas besoin de savoir quand était le contrat. Quand tu es avec quelqu'un, il faut, la loyauté, c'est quelque chose de très, très, très important. Là. Maléba a gâché sa relation, la grande relation qu'elle avait. Maléba avait une relation très, très, très fusionnelle avec le couple de sang. Le couple sur lequel elle pouvait compter de jour comme de nuit. Amélie a fait en sorte que Maléba... En fait, Amélie n'a même rien fait. Maléba est entrée dans leur différent, les deux pieds et les deux mains, parce qu'elle voulait privilégier sa relation avec Amélie par rapport à l'argent. Est-ce que tu comprends? Maléba a privilégié l'argent à sa relation. Parce qu'elle se disait qu'elle protégeait, comme elle l'appelle, sa boss lady. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, c'est ça, cette boss lady qui vient la déposer par terre. Hein, parce qu'elle pense qu'elle va profiter de la reine galloise pour vendre ses soi-disant gélules. La reine galloise ne va jamais vendre tes gélules. La reine galloise est très occupée. Si tu penses que tu vas l'utiliser pour vendre tes gélules, elle ne va jamais vendre tes gélules. Tu as compris avec quoi? Parce que comme elle voit que la reine galloise s'entend aujourd'hui avec Fleur de Lys, elle cherche un tremplin pour passer par Fleur de Lys afin que Fleur de Lys puisse vendre ses gélules. On voit tout. On voit les villages à distance. Maléba et Fleur de Lys sont indifférents aujourd'hui. Elle voit que Maléba n'a pas pu lui permettre de vendre ses mutations-là et tout ça-là. Donc, elle veut passer par la reine galloise pour atteindre le canal de Fleur de Lys afin que Fleur de Lys puisse aussi vendre ses gélules. Parce qu'on ne voit que Fleur de Lys. Mais oui, qui est bête? Encore moi. Ouais, qui est bête? Comme Fleur de Lys, elle voit que Fleur de Lys fait la promotion de Nadège et je ne sais pas de qui. Elle se dit que non, Nadège ne va pas quand même prendre tout l'argent de nos mutations et tout. Il faut aussi que j'ajoute ma part chez Fleur de Lys. Non, ma chère. Pour encore bien coller les têtes entre Fleur de Lys, elle veut profiter du problème qu'il y a entre Maléba et Fleur de Lys pour venir ajouter son venin. Bon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Angela, c'est ça. Nous sommes là pour étayer la jeunesse. Nous sommes là pour vous montrer, pour mettre la lumière où il y a le flou. C'est pour ça que nous sommes parents. Hein? J'ai vu Edwige. Edwige Modeste dit waouh, elle a lancé le cas où tu as vu. J'ai vu. Mais c'est ce qu'on nous apprend là, non? Edwige Modeste dit que son contrat était que jusqu'à fin juin. C'est fini là. Nous, on ne savait pas que le contrat était jusqu'à fin juin. Et même si le contrat est jusqu'à fin juin, est-ce que tu dois venir la déposer comme ça? Est-ce qu'on fait ça? Hein? Maléba n'est pas mon ami, mais moi je suis logique. Moi je suis logique. J'aime pas les humiliations. Là, elle a humilié Maléba comme ça, ne se doit pas. Elle a pris Maléba comme ça là, elle a fait un paquet de namungon, elle est partie donner au couple de sang. Prenez la manger là, on ne fait pas ça. Non, ne lis pas Covado. C'est exactement ce qu'elle a fait. C'est de la lâcheté. Mais moi, ce que je veux dire au couple de sang là maintenant, ne profitez pas de ça pour manger Maléba. La personne que vous devez manger aujourd'hui, c'est Amélie. Vous voyez beaucoup de pics à compresseur dans ce. Oui, non, le dîner là, c'est uniquement compresseur. Hein. Ce n'est même pas qu'elle a voyé les pics. Parce que quand elle dit. La reine galloise fait des trucs humanitaires. Il y a des gens qui font des litchis, des PayPal, qui prennent l'argent pour aller utiliser à leur propre compte. Elle parle de qui? Il n'y a que Maléba qui fait des trucs humanitaires. Et qu'on accuse d'utiliser l'argent à ses propres comptes. Quand elle dit, la reine galloise s'occupe des orphelins, elle a dit quoi? Des handicapés au Cameroun. Qui d'autre fait ça? Mais attends, elle n'a pas dit ça. Alors qu'elle était venue nous dire que Maléba s'occupe des orphelins et des handicapés. Elle-même, Amélie, était venue nous dire ça. En dehors de la galloise et de Maléba, qui d'autre s'occupe des orphelins et des handicapés au Cameroun? Donc, ça veut tout simplement dire que ce direct-là, elle le faisait contre Maléba. Mais c'est ce que c'est en train de dire. Elle-même nous avait dit ici que compression avec, puisqu'elle lui a même donné sa carte de. Elle a nommé ambassadeur humanitaire, non? Donc, le direct que je suis en train de faire là, celle qui venait parler tout à l'heure, là, qui s'appelle Camilla Maléba, qui pense qu'elle me dit que j'ai le temps de. Non, je n'ai pas le temps. C'est que nous sommes toutes des Camerounaises. Quand on voit qu'une personne a été bluffée, elle n'est pas mon amie, elle n'est pas mon ennemi. Mais on vient dire des choses telles qu'elles sont. Vous n'aimez pas la vérité, mais nous sommes toujours là pour vous dire la vérité. Quitte à ce que vous ne compreniez ou pas. D'accord? En tout cas, n'avez mon bassin. D'accord? Maléba, elle ne sait rien. Elle n'a pas été à l'école. Tu lui dis un truc. En tant que sa bosse, elle va te croire. Elle t'a cru. Il y a quelques jours, elle se moquait encore de Jean-Louis Messa qui a perdu son frère et tout ça. Et je voyais les gens lui dire que non, on ne tire pas sur un soldat à terre, tu ne vas pas faire ça, alors que son frère est décédé et tout ça, la machin. Et hier, tu sors pour lui dire ça. Ça ne se fait pas. Tu sais que beaucoup de gens sont sur elle aujourd'hui. Et toi, tu dis ça, c'est le coup de grâce que tu lui as donné là.
Même si tu avais quelqu'un avec Maléba ces jours, il ne fallait pas. C'était pas le moment de sortir. Il ne fallait pas. Non, non, non. Et tu viens dire, Reine Galoise, je te supporte. Est-ce que Reine Galoise t'a demandé de la supporter? Reine Galoise ne t'a pas dit qu'elle a besoin de toi. Elle ne t'a pas dit qu'elle a besoin de toi, elle est une grande fille. Hein? Tu la supportes tout ce que tu as promis à Maléba, jusqu'à ce que le contrat finisse. Est-ce que tu lui as donné ça? Est-ce que tu as fait ça? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu as vendu du rêve à Maléba. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, elle a fait des choses que nous n'apprécions pas, que nous aussi nous allons la laisser comme ça. Tu n'as rien fait. On est là pour lui dire la vérité. On n'est pas là parce qu'on croit sur elle, personne ne l'a insulté. Tu n'as rien fait. Si elle sort, elle nous insulte, mais ça, on va répondre. Est-ce qu'on a pris là pour la bouche? On lui dit la vérité. On ne fait pas ça. Tu l'as utilisé pour nous insulter, pour insulter nos produits, hein? Pour détruire nos couples, mais ça. Hein? Elle est là, elle a plusieurs plaintes contre elle, en partie à cause de toi. Oui, oui, apparemment, le contrat est fini. Moi, je sais que quoi. On ne fait pas des choses comme ça. Tu ne devais pas. C'est la haute sorcellerie, Amélie. Elle était là pour toi quand tu avais besoin d'elle. Alors, toi aussi, tu dois être là pour elle quand elle a besoin de toi. La Reine Galloise, elle n'a pas besoin de toi. Si, Reine Galloise, si tu sors pour dire un truc gentil par rapport à la sortie d'Amélie, on te défonce. Ouais. On va te défoncer. Tu restes dans ton coin. Tu n'as pas besoin d'elle. Tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui, elle vient te dire tout ça là parce qu'elle veut t'utiliser. Tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui là, Amélie n'était pas avec toi. Alors tu continues ton chemin. Des profiteuses comme ça là. Vous voulez toujours profiter des gens quand vous voyez qu'ils ont déjà atteint une certaine autorité, un certain niveau dans la vie. C'est comme ça que vous êtes. Parce qu'elle ne peut pas dormir parce qu'elle voit que Frédéric fait la promotion de Nadège. Elle ne peut pas rester comme nous que vous. Si Frédéric est avec Nadège, qu'elle aide Nadège à vendre ses produits, ça va, il n'y a pas de souci. Il faut à tout prix qu'elle entre encore là-bas pour aller gâter aussi là-bas et avoir les problèmes avec Nadège. Jennifer, Steph, dis, parle-nous des photos et vidéos de notre première fille dehors. Osama, fais la vidéo, tu parles de ça. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une vidéo pour parler de ça? J'ai déjà fait la vidéo. J'ai demandé aux gens. Tu n'as jamais embrassé quelqu'un? Jennifer, tu n'as jamais embrassé quelqu'un? Ou bien quelqu'un ne t'a jamais embrassé? Réponds. Tu as dit, nous quoi? Au lieu de vendre. Oui, elle passait son temps à insulter. À un moment, j'ai cru que c'était dans son contrat insulteuse de talent. C'est vrai. Moi, je n'ai jamais vu. Vous l'avez déjà vu vendre les glutations là une fois. Je n'ai jamais vu les glutations la poser devant elle comme ça en train de faire un direct. Jamais. Jamais. Moi, j'avais jamais vu, hein. Jamais. J'avais jamais vu. Quelle est la commerçante qui va accepter ça? Je savais que ça, ce n'est même pas fini. Hein? Elles vont se faire ça propre sur la toile. La vérité arrive. C'est deux timbres qui se sont croisés. Ce qu'elle fait avec le couple Messala, là, c'est petit par rapport à ce qu'elle va faire avec Maléba. C'est petit son domicile. J'ai dit, dans l'histoire, tu parles depuis là, elle n'a pas de boutique. Chez elle, elle vend ça. J'ai dit, c'est pas possible. Donc, nous sommes propriétaires de magasins. Elle vend en ligne. Elle stocke les produits dans sa maison. C'est pas possible. C'est où je suis alors sorti, vous dites, est-ce que vous avez même que la personne qui vous parle depuis la part de ma famille? Alors, famille, vous allez écouter comme moi cette dame. Je trouve en fait que cette dame est vraiment pertinente. Pourquoi? Parce que je vois un peu qu'elle a un peu raison. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous l'écoutez, ça signifie qu'elle a suivi ce que Amélie a eu à dire. Et je l'ai dit depuis un certain temps, depuis qu'on peut, on ne parle plus que ma bosse. Et même la dame d'Amélie, quand elle me présente ses produits, elle ne parle plus de son ambassadrice. La seule personne qui partage encore les produits d'Amélie, c'est l'abbé Samé. En plus, c'est son ventre. L'abbé Samé, c'est son ventre. Donc, la seule personne maintenant qui peut téléguider l'abbé Samé, c'est Amélie. Oui. Donc, elle a déposé compulsion. Elle ne la mentionne plus dans ses directs. Et actuellement, elle fait les éloges à qui? À Reine Galloise. Elle a vu la sortie de Fleur de Lys. Elle a compris. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que non. Flaudé et tous ses partenaires sont toujours avec elle et ils trouvent leurs résultats. C'est donc là que la Goutabous comprend qu'elle a investi derrière Compressor. Elle pensait que non. Il y a des blogueurs sur la toile qui sont connus. Elle savait que Flaudé et Compressor, la période là. Bon, excusez-moi. C'est la femme que je vais. Moi, je m'avais fait mes trucs. Parce que quand moi je dors, je me réveille, je ne sais pas à quelle heure je me réveille. Je vous dis une chose. J'ai dit ça, j'ai remarqué ça depuis, mais comme j'ai dit que moi, il veut la paix avec elle et tout ça, il veut la soutenir dans son truc et tout. Donc, moi, j'ai dit que bon, moi, j'estime que Compressor et moi, c'est moi qui décide, hein, plus de problème. Mais, le direct que vous entendez, c'est très pertinent. Pourquoi?
Parce que dans la vie, je vous ai dit les promesses, il y a les promesses. Quand on promet quelque chose à quelqu'un et qu'on ne réalise pas les problèmes. Voilà. Après, les regrets. On chante quoi? Ah, les regrets, les regrets, les regrets, les regrets. Mais t'as que vous voyez ici. Je vous dis que mais t'as que vous voyez ici. Même celle qu'on appelle celle qui, que le tueur de livre vend ses produits, elle vend quoi? Rien du tout. Rien du tout. Elle vend quoi? Moi, je vous ai dit que moi, oh mon voisin, moi je connais mes choses. La dame qui, c'est la. Je sais même pas, je sais même encore au téléphone. Ouais. Elle vend quoi? Qui paye? Je vous dis que la plupart des abeilles, déjà, ne sont pas belles. Ce sont des filles qui sont noires. Ah oui, les abeilles sont noires. Ce sont des vieilles femmes. Elles, elles sont noires, elles ne font pas les gens ensemble. Vous savez ça, hein? C'est rare. Moi, je connais bien les abeilles. Les abeilles, elles ont déjà leur fournisseur qu'elles pendent depuis des années, font leurs choses. Par exemple, Nadjane Baba. C'est moi qui sais où elle prend ses huiles. Qu'elle prend ses huiles. C'est moi qui l'ai mis là-bas. Elle est là aujourd'hui, et oui. Je dis que. Même sur elle ne vend rien. Mais, quand c'est fait, c'est comme ça. La plupart des abeilles, attendez, je vous montre mon visage. Je vais vous montrer l'huile que moi j'utilise en ce moment. Je vais vous montrer mon huile que j'utilise. Vous allez être très étonnés. Tu me donnes un bon thème. Mais j'ai dit que je vais attendre. Un très bon thème. Méfiez-vous. Avec les vendeuses de Janssen dans les réseaux sociaux. Moi, je vends, je crée mon Janssen. Moi-même, je n'utilise pas. Parce que j'ai peur ce qu'il y a dedans. J'utilise autre. Par exemple, les Walos. Quand j'utilise les trucs de Parmesan. Elle-même avec quel thème? Le thème, la forme de Parma, c'est pareil, non? Jusqu'au jour, non. Parce qu'elle utilise autre chose. J'ai utilisé le thème. Heureusement qu'elle est filtrée à ici. J'étais comment? Hein? Mais fiez-vous. Vous croyez que l'huile que quelqu'un vend pour c'est qu'il a ou pour qu'il a, que c'est quoi? Elle n'utilise pas ça. Même elle-même, la femme, n'utilise pas ça. N'essayez pas. Je parle pour tous ces gens-là. Moi, j'ai un que j'utilise. Moi, mais j'ai pas de lui-là. J'ai un beau teint jusqu'à mon teint. Et puis mon teint, bien, joli, joli, joli. Oui, j'utilise. Je vais vous dire le teint. Les gens qui m'ont... L'huile que j'utilise. Je vais vous dire ça. Vous voyez que mon teint, il y a joli, joli là, comme ça là. Je vous dis, je vous dis qui. Oui. Donc, je vais m'asseoir. Attends, j'arrête d'avoir mon soutien. Je m'assois très bien. Écoutez-moi très bien. Tu sais, moi je peux même faire 10 vidéos par jour, je m'en fous. Je vous dis, où est mon ami? Je sais que. Attends, je vais d'abord éteindre ici. Attends. Moi, je m'en fous. Voilà. Je bois mon vin. J'ai acheté 3 bouteilles de vin aujourd'hui. Je vous dis qu'un, vous me voyez ici. Je vous montre lui que j'utilise. Et je vous dis comment. J'allume la lumière. Parce que moi, j'aime les crocodiles. Moi, je suis femme cachée dans les crocodiles. Voilà. J'allume ma lumière. Que vous me croyez ou pas. Écoutez-moi très bien. Je suis sous l'âge. Voilà. Parce que moi, je vais vous raconter une histoire. Dans cette maison.
Parce que la loi Joël, quand je parle de ma part, personne ne me croit. Hein. Personne ne me croyait jamais. Voilà. Moi, je n'aime pas le faux. Voilà. Il y a même l'autre là, je ne sais même pas. Ça là, j'ai utilisé ça depuis. Donc, il y a eu un problème ici. Quand j'ai commencé à utiliser le truc de parmesan, mettez le cœur. Ne fuyez pas, moi je vous dis la vérité. Que je m'en fous. Quand j'ai commencé l'huile de parmesan. Est-ce que vous vous souvenez quand les mamans de parmesan sont venues ici? Elles m'ont donné, elles sont venues avec les fleurs parce que moi j'aime les fleurs. Elles sont venues ici avec les yeux de parmesan, bon, j'ai tout jeté et tout. Et moi j'ai dit, mais il y a un problème, c'est écrit en anglais. Et c'est écrit en anglais, c'est comme on appelle le nom où c'est. Ou c'est fly ou c'est quoi là. En anglais, tout ça, c'est maintenant. J'ai commencé à utiliser ça. Après, j'ai commencé à voir les gouttes ici. Les trucs et tout. Et puis, j'avais les j'étais pas bien. Et puis, j'ai. Il y a. Non, moi, le truc que j'ai utilisé, ça ne marche pas. C'est vrai que le savon, quand j'ai utilisé mon savon au visage et tout, c'est très bien. Le savon noir là. C'est très bien. Moi, je vous l'ai arrêté. Je commence à utiliser. Mais avant, après, j'ai reçu la gamme de Étoile Tribune. Voilà ce que j'utilise. Ça, c'est Étoile Tribune. Tribune Claire. Est-ce que vous savez ça? Elle m'a jamais permis de mettre. C'est, voilà, ça se met et après, c'est fini. C'est ça. C'est comme ça, alors que je dis matin. Je mets. Parfois, j'ai des côtes. Parfois, j'ai des trucs. Et tout. Après, j'ai arrêté de mettre. J'ai commencé à mettre. Parce que j'ai demandé tout ici. Topic crème. Donc, j'ai recommencé avec mon topic crème d'avant. J'ai commencé à mettre et tout. Et quand vous voyez, non, il faut prendre la veuve. Je dis non, je ne peux pas vous. Moi, je préfère que vous vendez à autre personne parce que moi, je ne peux pas. Moi, j'ai voulu avoir un teint bien crème. Le teint que vous voyez ici, avec ça. Parce que j'ai utilisé Cribi Clair. Ça va. Vous avez vu? C'est là. Je me lave avec ça. Et voici mon savon. Et Namango avait dit que c'est son savon ici. Il y a plein de choses. Il y a même. J'ai aimé tout. Dès que j'ai commencé à utiliser ça, c'est le teint aussi. C'est Cribi Clair d'étoiles. Mais oui, il faut quand même dire la vérité. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des trucs que je n'ai pas essayé. Moi, je suis cobaye. Le teint que vous voyez, c'est Miguados. C'est Cribi Clair d'étoiles d'étoiles Cribi. Elle n'a jamais voulu que je fasse. Et quand on m'a envoyé, ça dans un grand. C'était tellement classe et tout. Et j'avais dit à. J'ai montré ça à une mamoune. J'ai dit que matin, moi, quand je suis avec ça. Quand je mets ça sur moi, c'est velouté, c'est bien et tout. Mais quand je mets là, c'est tellement sec. Mon corps a séché. Et puis j'ai coupé ça depuis. Je ne voulais pas. Parce qu'il voulait que j'utilise un eau gratuit. J'ai dit non. Parce que je voulais qu'à un moment, mes pieds devenaient encore noirs. C'est la vérité. Hein? Les mamans qui venaient, c'est pour vous dire. Mes pieds devenaient encore noirs. Je dis maintenant. Donc, c'était pas un truc, rien n'allait. Après, il y a eu le problème et tout. Je me suis plaint.
soutien chez dans la bande là-bas, que non, je ne peux pas, je n'arrive pas, parce que oui. Mes pieds sont devenus comme vous connaissez mes pieds d'avant. Moi, je voulais la vérité. C'est après que j'ai arrêté. J'ai attaqué. Vous voyez, regardez. J'ai attaqué et ça, et le savon. Et il y en a encore plein de. Tu vois les couvrir. Oui. Et toi, tu bien, moi, j'avais permis de faire sa publicité. Mais le teint, moi, je vous dis que le teint que j'ai su, c'est Cribu Clair. Cribu Clair. Les clarifiant anti-tache. Et c'était marrant que chez les huiles de parmesan, ce n'était pas écrit en français, c'était toujours écrit en anglais. J'ai dit, maintenant, écrit en anglais. Ce n'a jamais été en anglais. Vous voulez vraiment m'utiliser pour. Je ne comprends pas. J'ai arrêté d'utiliser le produit. Oui, parce que j'ai remarqué que, parfois j'avais les trucs ici. J'avais. Maman, je veux. Ouais, attends. Les pieds devenaient encore noirs. C'est moi qui vous dis. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Même avant que nous ayons mes signes qu'on avait fait avec la non, je ne voulais plus. C'est parce que quand j'étais avec, j'étais un peu à part. Parce que je. Ouais, non. Il n'y avait rien. Moi, j'ai utilisé ça. Cribu Clair. Depuis que j'ai commencé à utiliser ça. Ça, j'ai fait mon petit massage. Ça, c'est pour Enamango. Enamango, c'est pour elle ici. Je me lave avec. Il y a d'autres trucs. Le gommage et tout. Il y a plein de tous les gommages. Elle m'avait fait un bon coffret. C'est la première fois que je parle de ce produit. Je ne vous demande pas de l'acheter. Mais regarde seulement. Même mon teint. Il devient un peu plus belle. Quand je l'utilisais pour me sentir là, c'était quoi? Oui. Et vous n'utilisez pas ça. Je me suis fait plusieurs fois. Que non, je ne vois pas les résultats. Même mes mains commençaient à devenir encore noirs aussi. Mes pieds alors, mes pieds que je crée mes pieds. Normalement, ça allait censé être joli avec le goma. Rien. Rien. C'est juste que. Est-ce que j'essaie un peu. J'essaie, voilà le temps. Nous, les choses qu'elles sont arrivées ici, elles vont un peu voir. Oui. Pour eux, c'est en anglais. En anglais. Oui. C'est en anglais. Là, c'est en français. Oui. Pour eux, non. Je ne sabote pas. Moi, j'ai ça depuis. Moi, j'utilise. C'est ce que moi, j'utilise. Oui. Moi, j'utilise. On appelle ça quoi? Cribu Clair. Le corps. Clarifiant anti-tâche. C'est tout. Ce que j'utilise. Depuis que j'utilise ça, je vois comment que mon teint devient encore un peu joli. Et puis ça me prend partout. Cribu Clair. Je ne vous demande pas d'aller acheter. Mais j'ai dit que. Mais ça. C'est ce que moi j'utilise. Cribu Clair de Étoile Cribienne. C'est un gel douche doré. Quand je te lave avec, tu es parfaitement joli. Le savon et tout. Elle m'a envoyé ça depuis. Elle dit, hey. Vous voyez ce que vous savez, ce n'est pas le sabotage. Il faut faire attention. Les femmes que vous voyez qui vendent les produits à Facebook là, eux-mêmes n'utilisent pas leurs produits. Ils peuvent utiliser les vrais produits. Elle achète pour eux dans les pharmacies. Oui. Je n'ai jamais saboté un produit. Mais pour elle, sabote. Hey! Facebook, si. En tout cas, en ce qui concerne Ngosa avec sa copine-là, le tout, si, ça ne sera pas Boumoulan de Massam. Arrangez-vous. Amélie, tu sais très bien qui est Rosa. Arrangez-vous, pardon. Parce que moi, je suis parti faire un tour. Arrangez-vous. Tu es venu couiller à couiller.
manipuler un gosse pour qu'elle insulte son grand frère. Elle avait confiance à toi. Aujourd'hui, c'est votre problème là-bas. Moi, j'ai dit que pour l'instant, je ne me calme pas avec Gosa. Et j'ai promis que moi, avec ma soeur, on va aller là, on va aller dans son âme. On va aller là où on a dormi, quoi. Nous, on va aller là-bas. C'est tout. Le reste, je ne veux pas entendre. Vous faites très attention. Les gens me méprisent, mais quoi, Rose? Maman, je vous fais gagner des millions. Parce que d'abord, moi, je teste d'abord ça sur moi. Ça. Et je suis sûr que quand elle va voir que j'ai parlé de ça, elle va dire non. Parce qu'elle n'aime pas qu'on fasse sa publicité. Et toi, tu es bien. C'est la seule star qui vend. Elle dit que qui vend les produits sur Facebook. Et toi, tu es bien. D'abord, le coffret qu'elle t'envoie. Regardez mon thème. Voilà. Et j'ai utilisé. Regardez comment j'ai utilisé. Juste où? Ici. Je vois les résultats. Super, ça me donne un bon thème. Oui. Faut pas me sentir aussi que. Ah. Mais après, j'ai réfléchi que maintenant, je ne vois rien. Au contraire, j'avais des trucs ici. Ici, les trucs qui sortaient ici, j'avais des trucs bizarres, mon ventre gros. Mais c'est quoi ça? Et j'ai fait pas de ça. Pas maintenant, j'ai fait pas de ça à la maman, à Régine, à tout le monde que non. C'est moi qui arrête d'utiliser. Moi, j'ai utilisé ça depuis. Maintenant, ça va finir. Mais arrêtons un peu. Et toi, tu veux mal arrêter. Et toi, qui mets à son teint, qu'on connaît, non? Et que la charge de teint. Oui. Elle n'a pas changé de teint. Mais il y a des gens qui. Elle vend. Okay. La plus. Elle dit que la femme là. La plus. La seule qui vend. Vous tous là, c'est toi qui viens. Aux États-Unis, pas plus, elle vend. Elle vend. Mais moi, je voulais vous dire que. Et toi, tu es bien depuis que j'ai laissé les trucs de mon sang. J'ai commencé à tuer. Ça va finir bientôt. Et tu sais ça. Tu sais ça sort. Il y a même le. Il y a deux. Il y a, j'ai deux boîtes comme ça. Je ne sais pas où là où je te bats, mais j'ai tué beaucoup ça. Maman, arrêtons un peu. Vous venez nous étudier. Voilà l'autre là. Ça, c'est un or de gommage. Arrêtons un peu, disons. On a juste. À Facebook, hein, méfiez-vous. Ni la cosmétique aujourd'hui avec un gamin. Oh, ni la cosmétique. Aujourd'hui, on n'entend pas parler. Tout c'est le marketing, tout c'est l'argent. Oui? Tu trouves une personne qui a déjà un teint blanc. Tu vas encore vendre. Qui fait la. Non. Moi. Le teint que j'ai ici. Clive clair. Et toi, tu bien. Ce qui me rend comme ça. Oui. J'espère que le voir comme ça après que je vais payer. Là, c'était gratuit. Oui. Et j'ai reçu ça avant que je me serve avec moi. Elle n'a jamais voulu que je fasse la puissance. C'est ça. Clive clair. Vous voyez mon terrain. Hey. Et ça m'a béni de jour en jour. Je me lève, j'ai utilisé ça. C'est pas un sabotage, hein. Ce n'est pas un sabotage. Mais oui. En tout cas, ce qui se passe entre la mienne et l'autre, hein. Je vous ai dit qu'à Facebook, il y a des gens qui font attention. Vous avez vu quelqu'un avec la reine galloise. Comment ça a pris l'ampleur. Quand j'ai vu Ngossa, apprécier la reine galeuse parce que l'histoire, si va arriver là, ça va arriver. On est aujourd'hui. En tout cas, c'est vous, entre vous, les grandes blogueuses, une comme moi. J'utilise ça deux charges, une semaine. Ça ne marche pas. Moi, je n'utilise plus. Mais le clip clair, pour moi, ça me va. Parce que j'ai un beau teint. Ouais, non. J'ai un beau teint, je suis bien. Voilà. Ouais. Avant, j'avais les côtes là.
j'avais comme la bouboule, quoi. Et c'est ma fille qui me dit, mais va à la pharmacie, j'achetais les pommades ici, je mettais comme ça. Je dis, mais attends. Mes pieds, moi, mes pieds ont encore fait de, comment on appelle ça? Des sabots. Maman. C'est devenu à quoi? Ça commence à devenir noir. Je dis, non, il faut mettre, il faut frotter, hein, ça va aller. Comment j'utilise encore ça? Ça me rend, ça coupe encore jusqu'à ce que mes pieds sont encore devenus noirs. C'est comme ça que j'ai dit que. Je suis devenu comme un cobaye. Et dans tout là-bas, la personne utilise les problèmes là. Parce qu'ils savaient que c'était pour gagner l'argent, c'est pour continuer. Heureusement que moi j'ai mon produit, si on appelle ça, que j'achète la pharmacie là. Hey! Les noirs. En tout cas, moi je crois que. Que lui, Clem, va très bien. Oui. Continue. Il faut préparer un gombo comme moi. Au moins, les gens vont manger, vont apprécier. Ils vont dire que non, le gombo, ce n'est pas bon. Tout ça, c'est pour le faux. Vous achetez les produits que vous-même, vous n'utilisez jamais. Jamais. Oui, ta machine. En tout cas, mes Wells, à l'ancien, moi, je veux non. Edouard, non. J'ai beaucoup de soucis. Il faut que j'aille encore demain au tribunal. J'espère que demain, au tribunal, avec l'avocat, on va aller chez un notaire. On lui dit mes choses. Depuis des années que j'attends. Dieu est quand même. Le bon Dieu, c'est quand même Dieu. Yay! Yay! En tout cas, j'ai fait une thérapie avec lui que. Je dois penser comme ça de lui. Parce que voir les gens souffrir. Voir les choses. Les gens que tuent les gens. Fais ceci. Quelqu'un t'implore que Dieu ne me tue pas. Dieu voit comment on enfonce le couteau dans le cœur de son disciple. Il ne fait rien. C'est ce que je dis dans la vie. Moi, je crois ce que je vois. C'est vrai parfois qu'il y a des petits signes mystérieux. Donc, mais, quelque chose. Oui, ça dépend aussi de notre vécu, mais bon, non. Il y a des choses que je vois sur lui. Quelqu'un te prie que bon Dieu, aide-moi, je suis dans la merde. Aide-moi. Il est là, il rit. Et après, on va dire ce que Dieu fait est bon. Eh bien, dis donc. En tout cas, c'est vous qui voyez. Vous savez, quand je parle des choses comme ça, les gens sont là. Vous savez, c'est votre problème. Il y a adepte et adepte. Quand vous finissez. Des délais des petits-enfants ici dans les églises. Vous êtes où? Ce que Dieu fait bon, hein? Malheureusement, c'est comme ça. Moi, je parle quand j'ai envie de parler. Je m'en fous. La vie n'est pas facile, hein? Dans la vie, il faut se débrouiller seul. Que tu peux aller à l'église 100 fois. Faire les dons. C'est quand même marrant. Vous savez pas que c'est tous les gens qui font, les parents des gens, les enfants qui font les dons, que c'est les enfants-là qui. Et, n'oublie pas que le père avait donné 10 millions à l'église. C'est pour ça que le père de l'église appelle le patron d'une société. Le lendemain, tu entends seulement une lettre. Elisabeth. Tu vas aller travailler dans cette société. Qu'est-ce que vous croyez? On perd tout dans ce c'est vrai. On perd tout. Ben oui. On perd. Quand vous entendez qu'il y a les gens qui ont donné les 10 millions dans une université, les 10 millions
dans une société de l'électricité. C'est pour rien, c'est pour la famille, hein. Bah oui. Parce que c'est comme ça. Ils donnent gratuitement. Ils donnent que dans les choses des riches. Ils vont donner les choses des pauvres. Là, vous voyez l'Éthiopie. Il n'y avait pas les milliardaires africains. Il n'y avait pas les milliardaires quand l'Éthiopie souffrait. Allez voir l'Éthiopie, comment c'est émergé aujourd'hui. C'est un peu. Parfois, je suis j'aime de pas de maman. Donc, vous croyez qu'aller à l'église, c'est quoi? Va à l'église. Donne peut-être 1 million à l'église. Si tu as la charge, je gagne un peu, donne 1 million à l'église. Ils vont faire tout parce qu'ils connaissent. Tu seras chez toi comme ça. Tu as la question. Hé, hey, madame, dépêche-moi. Tu veux un appartement. Que tu veux payer dans un quartier luxueux. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Moi, je me dis que tu vas les clés. Pourquoi? Parce que tu as payé. Tout se paye ici-bas. Et que tout se paye ici-bas. Les universités, tout. Quoi? Les églises, tout. Quand tu es pauvre, tu restes pauvre. Qu'est-ce que vous croyez-vous? Hein? Et de tout, je dis que tout. Attention, hein? Tu as un problème avec qui? On part avec un problème de tribunal. Si tu donnes seulement 10 millions là maintenant, là, hey, ton problème se décante là, là, là. Là. Ta fille, ils arrangent le mariage. Ta fille va épouser le fils du président du tribunal. Le fils du président du tribunal va épouser la fille d'un banquier. Donc, ils préservent leur petit bien entre eux. Vous êtes là. Nous, on se bat pour épouser les blancs. Après, que nos blancs sont les clochards. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça. Les Rockefeller, tout cela. C'était pourquoi? C'est comme ça. Vous ne pouvez rien. Quand je vous ai parlé, là, il y a toujours que, par exemple, mais la France ne peut pas accepter. Quoi, les pays ici? Hein? On va te chasser. Chasser quoi? Babela, c'est quoi? Un Italien qui a vécu à Saint-Denis et qu'on a mis en plus qui est quoi? Homosexuel? Eh ben, je dis, moi, ma bouteille, je bois mon enfant. Quoi? La France, c'est. Donc, on va laisser. En français, pour prendre le barbe là. Il se voit déjà, ouais, Matignon, premier ministre. J'ai dit que tu mens, tu ne seras jamais. Parce qu'il ne se voit déjà à Matignon. À Matignon, premier ministre, ouais. J'ai dit que regarde mon petit fou comme ça. Depuis des années que la famille, on a appelé la famille comment? Les Le Pen font ça. Pour avoir des millions. C'est leur business. Ils gagnent l'argent. Parce que bien sûr qu'ils vont gagner, ils seront deuxièmes. Ils vont gagner peut-être dans les 50 millions et tout ça. C'est leur business depuis des années. Ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre ce pays. Qui va accepter que la France, est raciste? La France. Le berceau de l'humanité. Et liberté, égalité, fraternité. Et quoi? Tu. On va lui tourner le dos. Et maintenant, Macron va donner. Il est obligé de donner ses voix à Mélenchon. Un dîner français, un Mélenchon. Un dîner français. Eh oui, il va gouverner. Mais avec les Macron, hein. Bah oui. Mais, maman, oh, je suis très content de moi. J'ai combattu ici. Parce que moi, je sais combattre. J'ai dit qu'il fallait me voir. J'ai dit que jamais. Ah, ma... Attends, il y a un ma, Jacques, tu sais, c'est un peu marrant, hein. Tu vois un peu. Ce qui est marrant, c'est que j'ai à Facebook, hein, les noirs n'aiment pas le noir. Oh, on va vous chasser. On va faire ceci. Ah ouais. Tu viens me trouver ici. Vous savez combien de présidents j'ai déjà vu dans ce pays? La même chose. Oh. La même chose. On va vous chasser. Chasser qui? Où est-ce ici? Kala. Quoi? Chasser qui ici? On va chasser les gens. Vous êtes trop bêtes.
L'équipe de France, il y a peut-être 5 Français de souche. Dans toute l'équipe de France. Ils sont tous quoi? Noirs. Vous ne regardez pas ça? Mbappé. Il a une nationalité. Non. C'est un Français. Parce que Cameroun n'a pas une nationalité. Vraiment. C'est l'Afrique. C'est nous. C'est nos enfants. Nos aïeux. Qui ont travaillé dans. Qui ont combattu. Parce qu'à l'époque de Hitler là. On a envoyé qui devant? Et nous, devant. On a envoyé qui devant? C'est nous qu'on a envoyé devant. Les métaux, tout ça, les qui ont construit ça, c'est pas nous. Les entiers, tout ça, les esclaves. Quand vous ne connaissez pas votre histoire, taisez-vous. Avec moi. N'importe quoi. Regardez-les. Ils sont contents. En marche. Et ce qui est marrant, c'est que c'est toujours un étranger qui veut chasser l'autre étranger. Bagle. Ta mère est venue en France. Et tu as grandi à Saint-Denis. D'accord. Dans un HLM. D'accord. Et il y a eu quoi là-bas de l'Incassa? Il est. Et puis, vous savez, quand tu le regardes, c'est un mec qui est énorme, lui, sinon. J'ai regardé. Matignon, il se voit déjà premier ministre. Quand je serai premier ministre, je vais faire ceci. J'ai dit que tu ne. Jamais. Ah, ben dis donc, je vais bien le voir, ces états-ci. Quoi? La France, ceci. Ici, soit tu es français, soit tu es juif. On va prendre un petit raté, on va venir mettre là. Là, vraiment. Il croyait, hein? Il croyait. Babila, il se croyait déjà étudié. Moi, j'appelle que notre étudié. Étudié ici. Maintenant, il donne les ordres. Il prenait les gens comme les. Il a même dit que les gens sont quoi là. Donc, c'est lui qui doit parler, il était autoritaire. Il dit, yeah! On va arriver. Il ne sait pas qu'il y a des dieux, Waros. Derrière, qui regarde la situation, il dit que toi, tu ne peux pas. On appelle ça les gens qui. C'est eux qui décident. Il y a les familles qui décident ici. Qui connaissaient Macron. On connaissait Macron. Qui le connaissait? Mais Waros. Le jour, le lendemain, on les met devant le ministre de la Défense, ministre du Budget. Il avait que j'avais 34 ans. On l'a imposé. Boum, il est là, président. Toi là, Thierry. Oui. Et nous, on est là derrière, on te regarde. On sait déjà ce qui va se passer. N'importe quoi. Pas le droit de sol. Pour lui, rien n'était bon. On n'a pas le droit de sol. Les gens qui ne travaillent pas. Ça. Les Français n'ont pas le droit à quoi? Aux hôpitaux. Pardon. Dans cette France. La France ici. Dès que tu as des panaries, on te soigne. Ils ne demandent pas 5 francs. On a l'assurance maladie. On a tout. Pardon. Il faut travailler. Et on veut bien travailler. Mais où le travail? Je suis parti travailler là-bas. Maintenant, je voulais travailler là. On a dit qu'à partir de. On pense que les jeunes. Mais je ne vais pas quand même porter non. Macron. Que quoi? Et les gens comme ça là. Pour moi, c'est que Mélenchon est Dieu. Avec Mélenchon. Vous savez, Mélenchon, c'est quelqu'un. Moi, je ne peux pas trop dire. Pour non, dans, pour, il est très dur, hein, parce que c'est. Il est dur, mais moi je préférais les. Quand Sarkozy était au pouvoir, maman, j'ai gagné l'argent. L'État m'a versé l'argent, 1500 euros tous les mois. Parce que je suis veuve. Dès que la gauche est entrée, ils ont tout coupé. Donc, mes filles, vous avez la gauche.
Quoi? Économie, quoi. Oui. Il y a des choses que l'on croit que la gauche n'a pas. Oui. C'est pour ça que les gens n'ont même pas l'air. Oui, parce que eux, tu vois comment ils... C'est l'économie, c'est qu'il faut faire ceci. Qui? Oui, qui? Okay. La droite est tout, ok. Oh. Parce que nous, c'est bien bon de dire que oui. Nous, on veut la... Pour même ce qu'on ne veut pas que les racistes blancs apprennent. Parce que s'ils prennent, d'abord, ça ne serait pas bien. Il y aura les bruits, les voitures ici, les attentats vont arriver en France. Et l'État français va laisser que qu'il y ait les bombes. Vous avez compris un peu l'histoire avec Mohamed Merah et tout ça. Comment vous voyez que un petit jeune garçon vous menace comme ça. Yeah, il fait tuer, dis donc. Tout le monde est au courant, il faut laisser. La politique, il faut faire attention, je vous dis d'abord. Ne connaissez pas. Hein? Ici, c'est un pays qui, quand on voit que c'est calme, eux-mêmes, ils vont provoquer quelque chose. Mais bon, tue les gens, pour qu'on dise ce qu'il y a là, qu'on tue les gens ici. Tu sais, donc, pour moi, même si la gauche parle, c'est une bonne chose. Mais, ça va encore être pire. Moi, je vous dis. Mais c'est obligé c'est d'être comme ça. Parce que vous ne pouvez pas donner ça aux mains de... Parce que Babla, c'est la soviétique, vous voyez, lui, il veut vous amener en Russie. Voilà. Du coup, il faut... Voilà. C'est très compliqué. Moi, j'aimais Sarkozy. Oui, Sarkozy. Je vous m'en parle. Hey. La droite. Avec la droite, bon, c'était bien. Hein? Avec la droite, oui, mais que j'avais mon argent. Oui. Jusqu'à présent, la gauche est arrivée. Ils ont tout. Il faut faire l'économie, il faut faire ceci. Lui, prend la moto couillant dans la nuit pour aller voir les prostituées. Hé, hey! Hollande. Ce qu'on a vu. C'est pour ça que quand je vois les petits gens arriver là pour nous raconter les collèges, j'ai dit, attends, toi, on te prend, Babla, étranger, ton père, Jordan, on humilie partout, mais lui ne cherche pas, hein. Notre souveraineté, notre pays, notre France, aïe, tu sors parce que tu as grandi ici. Il y avait aussi un Christian Napoléon, c'est tout. Il y avait un qui disait que Napoléon. Hey, maman, j'ai vu les élections dans ce pays. Les élections que j'ai vues dans ce pays, je suis infatigué avec les Français. Il y avait un qui disait que. Il parlait que Napoléon. Que Napoléon, qui avait fait la guerre. Là, où c'est où? Là, maman. Il paraît que Napoléon, la souveraineté française. Toi-même, tu es français. Maman. Ah. Les gens viennent nous trouver dans nos démissions en France. Ils viennent d'arriver. Vous ne connaissez pas le pays. Si j'ai dit ça, non, qu'ils ne peuvent pas gagner un deuxième tour. Parce que si le Front National, deuxième tour. Est-ce que, maman, c'est que vous savez que c'était dimanche, non? J'étais ici avec ma famille. Puis je les accompagnais. Je les accompagne pour aller prendre les trucs, dépanner un peu. Mais quand on marche, comme on était trois, nous, quand on marchait, maman, il fallait faire les plans. Il y a dit qu'attendez. Je les accompagne et tout. Sur un moment, il a fait les plans. Ils étaient tous les plans. On ne regardait que. J'espère que j'ai quitté ici Kouya. Je m'avais beau en bas là-bas. Même les cafés n'étaient pas contents. Hein. Ben oui, parce que Hollande, la gauche. La gauche est plus dure. Écoutez-moi très bien. La gauche est plus dure que je ne connais pas le contexte de ma. Quoi? Hein? Il faut
travailler, il faut dur. Ben oui, il faut faire attention. Oui. Quand le gouvernement, là, j'avais beaucoup plus de problèmes. Oui, oui. Mais bon, c'est comme ça. Quand tous les pays sont maintenant gouvernés par les hommes, Hollande, il a quitté Ségolène Royal, il a pris Moussé Valérie Verbe. Quand il va faire la vie, maman, on n'a pas compris quoi. Il prend la moto pour aller sur sa bordel au quartier. Tout est sorti. C'était horrible. Mais, moi, je vous dis que moi, je préfère que Macron soit parti. Mais là, ce n'est pas possible. On supporte Hollande parce qu'on est contre le monstre. Pas des soviétiques, parce que quand Babla parle des soviétiques, ça veut dire que c'est Poutine. Et puis, moi, je n'aime pas sa posture, tu vois, quand Babla parle, il est tellement sûr de lui, et puis il est comme ça, avec son nez comme ça, il est hautain, il n'attend pas que quelqu'un parle, c'est lui qui parle, il te voyait déjà, tiens! Et après, on va l'oublier. Tu vas entendre qu'il est devenu conseiller en politique dans quel. Voilà. Tu vas entrer à Saint-Denis, c'est ta mère. La politique. Quelqu'un te tue que là, là, là. C'est un peu ça, quoi. Une personne. On doit. Les gens qui ne travaillent pas. Pour lui, tout était mauvais. Il ne pense même pas que les métros, c'est les Africains. Les Africains ont bagarré ici pour la France. Il ne pense même les Arabes, maman. Tiens. Il veut être un pays comme la Hongrie. C'est ça que je dis souvent, que l'éducation est bien, et l'histoire aussi est très bien. Parce que moi, je vais préférer que le groupe de Macron reprenne. Parce que Mélenchon, avec ses, les gens de... Non. Mais on ne peut pas faire comment. On ne peut pas faire autrement. Bah oui. Non. Le parti là, Mélenchon là, ça va encore être plus dur. Plus dur pour nous. Très dur, moi je vous dis. Nous, on les supporte. Moi, je veux dire, putain, et la gauche. Ça va être plus dur pour nous. Très dur. Moi, je connais. Mais bon, malheureusement, il n'y a personne. Parce qu'on ne peut pas comment donner le pouvoir à ces races-là. Mais, pour moi, la gauche, là, je ne voulais pas. Je vous dis, hey, les gens-là, maman. J'ai vu. Moi, j'ai vécu ici. J'ai vu. Moi, on n'a pas le choix. Bah comment je supportais Attal. Oh. C'est le groupe de Macron qui prenait encore. Hein. C'est comme ça. C'est... Mais la gauche. Wow. Maman. Hein. Vous croyez que ça va être facile. Hein. Moi, j'ai la vie sexuelle. Moi, je vous dis. Mais moi, je n'ai pas le choix. Je suis moi avec la gauche. Mais fiez-vous la foi que vous voyez ici. Quand les gens disent que le fond populaire se bat, les mêmes gens, le racisme aussi, c'est vous qui. Ah. Mais oui, mais ceux qui sont un peu moins soft, mais moi je vous dis, si on préfère les autres là, à l'autre, parce que, tu vois un peu, on ne veut pas que la. Le problème, c'est que c'est la famille qui pose le problème. Problème, non. C'est la famille, les pères qui ont un problème. Parce qu'ils sont connus pour le racisme. Oui. Moi, je vous dis, même là-bas, c'est pareil. Là-bas, c'est encore plus dur. Oui. Mais fiez-vous. Hein. En plus, ce n'est pas la gauche. C'est le front populaire. Les extrêmes. En tout cas, moi, je suis ici au Ghana.
Bah oui. C'est un peu compliqué, mais bon. Moi, je vous dis. Vous êtes là, on va faire comment? Mieux. Parce que la France pas laisser les mains chez les ouvertement, racisme, tu vois. Donc, du coup, il faut donner un peu à la maman. Ok. Qu'est-ce que vous croyez là-bas? C'est là alors que vous allez voir que les métaux, les choses vont changer. Parce que eux, ils vont être au pouvoir. Si tu m'as. Mélenchon, pourquoi que les noirs en avoir rencontré? Yeah. Il faut regarder bien. Tout le monde qui jamais les choses vont changer, c'est moi qui vous dis. Oui, bah, le pouvoir, oui, mais est-ce que les institutions vont changer? Ce sera les mêmes, est-ce qu'ils vont nous recevoir? Et ça va être dur qu'on va faire. Donc, on peut être à quoi là? Donc, voilà. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Donc, bon. Donc, franchement, je vous donne mon sentiment. Mon sentiment, c'est quand même que... Vous savez que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, non. Parfois, il faut laisser aussi parfois une personne. Quand tu te bats, tout, viens leur diriger. Pour moi, c'est que moi, j'aurais aimé que Marie Le Pen prenne parce que ça fait des années quand même qu'elle cherche avec son père. Mais c'est la première ministre là qu'on a aimé là. Barbara qui a tout gâté tout. Ah oui. Oui. Et, oui. Et ils savaient pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre ce pays. Pourquoi on n'a pas mis Maréchal, sa nièce là? Comme premier ministre, on a cherché un petit troubadou qui vont jouer, qui va venir vociférer dans les réseaux sociaux, qui va venir vociférer, c'est tout. Ben oui. Mais, promettre que cela, c'est leur posture. Et puis, ils ont un nom. Non, c'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'il faut. Vous vous souvenez, c'était son mari, non, le Pen, qui était avec elle là. Tu as vu comme là, maman, elle a mis de plus. Est-ce qu'on n'entend encore pas de lui? On a posé Philippe pour vous, c'est qui est avec elle? Lui, c'est pareil. Les noirs là qui disaient que oh, moi je suis français, je vais aller à la République, Napoléon. J'ai dit quoi? Un noir, il était noir comme ça. Merde. Il parlait français plus que français. Les fans de la République, les palais de Napoléon, de toute République. En tout cas, moi, tout le monde avait sa chance. Mais pour moi, c'est que Marine Le Pen pouvait gagner. Mais c'est leur histoire familiale. Le racisme qui a fait tout basculer. Voilà. Mais, méfiez-vous. Vous n'appelez qu'à Mélenchon que nous. Oui. Nous, on est content quand même que ce pays, parce qu'on a les enfants ici, on a les petits-enfants ici. Voilà. On ne veut pas un pays là où il y a tout le racisme. Mélenchon a un bon fond, mais parce que le fond populaire, ils sont pas communs. Mais comment on appelle ça? Marine Le Pen, attention. Les attentats, c'est eux, hein, parce qu'ils sont. Mais ils aiment quand même les gens. Mais fiez-vous. Fiez-vous. Il faut faire juste de prudence. Quand vous ne connaissez pas les choses, les paysans. Ouais, décidez quand même, les élections du pays là. Vous n'allez jamais me voir danser ici. Je fais seulement ça parce que je vous fais amuser les gens. C'est tout. Méfiez-vous quand vous le conseillez. Parce que vous ne connaissez pas. Même Mélenchon, après on va chercher un jeune là. Ok.
dans le groupe qui est charismatique, c'est lui qui va être président. Vous avez ami? Vous ne vous souvenez pas. Même celui qui a parlé là, qui a les cheveux, qui avait fait les débats là, la grande rase là, lui-même, il ne sera jamais. On va le mettre même dans, comme secrétaire dans un petit village. Mais oui, on vous met, il y a les gens qui décident dans vos vies. Vous savez pas ça? Il y a les gens qui décident. Ah bon, on va prendre Mélenchon. Vous vous souvenez pas, c'était dans quelle élection là? Il y avait Martin Aubry qui était avec quel président, je crois, Chirac. Et quoi qu'elle est le premier ministre, c'était Martine Aubry, une blanche là. À l'époque, c'était qui devait être président Chirac, non pas Chirac. Il y a même eu combien de présidents avec qui était aussi un parti socialiste, je crois, et qu'après il y a eu une coalition. Et maman, on a pris qui de Villepin comme premier ministre. Alors qu'elle était là, ça va dire que c'est elle qui allait être. Où c'était Martin Aubry, oui. Martin Aubry. Vous baisez. Vous battez. Coucou. Après, non. Il y a des gens. Et ils choisissent que c'est toi. Même comme vous voyez là, ils vont aller derrière. Tu vas voir, on va mettre un petit jeune là devant là. Wow, qui a fait une séance politique. Abaza. C'est lui comme. C'est comme ça. Vous ne choisissez pas ici. On te choisit si on t'aide. On choisit si on ne t'aide pas. On choisit de couper le coin, je quand tout le coin. Il faut adhérer à certaines choses. Ben oui, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes là, wow. Moi j'aime la. Non, moi je parle de la politique. Moi j'ai la vie, mon frère, je n'ai pas envie de dormir. Je dors que j'ai un enfant qui dort. Moi je suis quelqu'un que quand je dors un peu, je me réveille. Vous voulez que je vois le débat? Moi, je n'ai pas le débat. Moi, je vois mon enfant. Je suis Marquio. Moi, je vois mon enfant. Il a fini. Je vois mon enfant. Je n'ai pas sommeil. Je me vois après, je dors. J'aime la politique. Hein. Je vous dis la vérité. Vous ne devez pas attendre la vérité. Vous ne devez pas attendre la vérité. C'est à Facebook. Pourquoi? Ah, n'est-ce pas, il faut le voir à l'Assemblée au Front Populaire. Ah, c'est ma foi, non. On va chercher un petit gars là, peignant. Celui qui l'a calé ici là, peut faire quoi? Le type là peut faire quoi? On va choisir notre personne que bam. Et avant de choisir, qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, on va le prendre. On va faire quoi? On va faire Macron. Parce que là, Macron doit choisir son premier ministre. Attendez. Ainsi, on va prendre maintenant. Voyons. Là, maintenant. Parce que Macron va. On va chercher, comme la dernière fois, un petit jeune politicien, charismatique. Qu'on avait fait à Macron. On lui met devant son poste stratégique. On commence à dire Alléluia, c'est toi. Comment ça fait à Macron? On va. Il s'impose. Attends, on a imposé. On a imposé Macron à la droite. Je vais vous faire. À la droite. Qui connaissait Macron? À la droite. Je vais vous. La droite existe encore. Ils ont créé tous les noms. C'est fini pour la droite. On a créé Macron. C'est comme ça qu'ils vont faire parce que Macron a encore un peu de temps pour partir. Donc il doit choisir son premier ministre. Il va choisir où? Vous allez être étonné. Il va choisir. On va choisir un jeune garçon avec une veste. Allez. Vous allez voir, il va devenir notre président. Donc, pas Mélenchon, pas là, hein, vive la France, rien.
C'est ça qui est ça. Mes frères, vous êtes là. Vous croyez que nous, on est contents parce que ce n'est pas partout dans les biens des tribalistes, des racistes. Eux là, tchaï. Ils sont plus durs, même que Marie Le Pen, méfiez-vous. Parce que c'est le travail. Et ils sont tués, ils coupent, hein? Et ils coupent même les allocations, plus que les Macron, plus que les autres. Méfiez-vous. C'est pour ça que les gens sont un peu. C'est pour ça que tout le monde était un peu triste. Tu vois, non? Oui? C'est pour ça. Parce qu'on ne peut pas laisser les mains dans les mains des Babla. Parce que bah, ouais, la France, la République, hein? Matignon, quand je serai premier ministre, tu ne seras jamais premier ministre, Babla, tu mens. Et orgueilleux, il est pris. Tu avais commencé à tourner, couillant. Front populaire. Eh bien, tout tellement dur, tellement sûr de lui. Parce que quand Babla parlait souvent ici, il se voit Matignon, quand il serait premier ministre, il ne savait pas que les rues de ce monde étaient en train de boire le comment on appelle, un bon cheval 150 ans avec le cigare. Il s'amuse de lui, certains. Que quoi? Ah, je ne te connais pas, je te prends pourquoi. Bolingo, prends-moi. Je n'ai pas de toi là. Je vais te prendre pas. Moi, je n'ai pas ma politique, c'est les gens qui me regardent. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça. Et, ça tient. En tout cas, moi, je vous ai fait écouter le tout de Balanyeza. Amélie avec Gossala, j'ai appris qu'il y a, bon, on a écouté, donc c'est tout. Moi, je ne suis pas vos choses, je te prends par rapport à quoi. Déjà, ton nom, Bézodrome Joapine, ce sont les noms des vrais gens, ça. Ils vont te prendre, toi, dans, je te connais déjà. Moi, je parle de la politique et tout ça, des vrais personnages. Tu viens me parler que prends-moi. En fait, je suis dans vos bandes là que quelqu'un en direct, les gens viennent parler. Tout comme ça. Je ne parle pas avec les bésodromes. Hein. Moi, je me mélange pas avec la racaille. Hein. Tu vois comme moi. Je veux laisser que les gens viennent parler. C'est comme vous parlez là. Les gens viennent parler. Moi, ça arrive souvent que je m'en vais appeler là-bas. Ouais, je parle ma part là-bas. Mais je quitte. Ici, personne ne peut appeler. C'est que tu es qui? Vous n'appelez pas chez moi. J'aime voir ma photo, j'aime voir mon image. J'aime entendre parler. Allez, là où vous avez les chamallons, abaza, parce que là-bas, c'est la boîte, elle est là-bas. Quand tu vois ces femmes-là parler, les femmes du quartier, hey, quand moi je veux parler, la drogue, man de Bama, hey. Donc, moi, j'écoute d'abord. Il faut les voir du matin, les femmes, c'est, elles sont du vano, ils n'ont aucun accent. Elle se chamaille. Là, tu dis, mais attends. On dirait que les gens qui vous écoutent, les comment vous écoutent? On dit, mais attends, les femmes, c'est vivre en Europe ou ici? Putain. Il y a un coin pour ça, va un point pour quand même articuler un peu. Eh ben, il est là. Yeah! Il faut les voir. Elle discute quoi, vous? En tout cas, vous et moi, moi je parle la politique. Je vous préserve. Que ne croyez pas que le Front Populaire va être facile avec vous. Quoi? Ici en France. Il n'y a aucune qui articule. Ah, je te dis que tu vas dans ton. Elle vit aux États-Unis. Il y a même la guerre entre les États-Unis
à venir vraiment. Moi, c'est quoi? Regardez-moi, moi, je me suis perdu avec vous. Quand j'écoute vos choses là, vous discutez de quoi? Vous discutez quelle autorité? Voilà. Parce que vous avez vu que dans ce monde-là, le monde comme ça. Je m'en fous. On n'écoute pas ce que je dis. Moi, je n'écoute même pas ce que je dis, mais je parle quand même. Ils sont là. Et on a dit que quoi, ma? Ma? C'est quoi ça? Tu m'as là à dire un peu que quoi? Maman, vraiment. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand j'écoute les voix des putain. Tu as vu la photo de Lilian Latour? Mon Dieu, tu as vu sa photo? Est-ce que tu as vu Lilian Latour, sa photo? C'est une maman. Lilian Latour, qui était avec Nico Ketcha, c'est une maman. Moi, j'ai sa photo là. Une maman. Tu l'as vu à toi, Jason? C'est une maman. Il a de la tour. Où elle était, où il y avait quoi, c'est avec quelqu'un. Tu vois, il a de la tour. Elle est plus vieille, sa peau tombe. Une grand-mère qui fait ça à une petite fille. Et vous mettez, tout à l'heure, je mets sa photo. Maman, il a de la tour. Hey! Il y a eu quoi ce week-end? Je crois que quelqu'un m'a fait quelque chose ce week-end. Tout le monde est parti là-bas. Maman, tu as vu Lilian Latour? Attends. C'est une maman. C'est ma grande soeur de très loin, elle a même avoir 70 ans. Tu vois sa peau ici là. Maman. Lilian. Aïe! Et c'est toi, tu te lis d'amitié. C'est elle. C'est elle. Pourquoi tu ne connais pas elle? J'ai vu que toi-même. Tu dis que c'est pas elle, papa, que c'est elle. C'est elle. C'est pas elle, tu la défends encore maintenant. Vous les bâmes, que c'est pas elle qui t'a mis dehors des mains. Donc, m'envoie la photo que c'est elle, tu dis que c'est pas elle. C'est elle. Aïe. Oui. Parce qu'on m'a dit que toi-même, tu voulais aller chez. Comme vous avez appelé votre tour de bâmes, que tu parles là-bas. Allez-y. Mais moi, est-ce que j'ai vu? Ce n'est pas elle, c'est à quoi qui? Si Lilian Latour ne commençait pas les problèmes avec toi, que la toi l'a pris. On est où aujourd'hui? Ce n'est pas elle, c'est alors qui? Ketcha. Ketcha, c'est qui? Ce n'est pas elle, hein? C'est elle. Moi, j'ai les vraies photos d'elle. Ce n'est pas les photos qu'on a mis là. Moi, j'ai ça. Elle était là-bas. Ce n'est pas elle, c'est alors qui? Ketcha. Quand on a dit que vous tous voulez vous mettre d'un côté, n'oublie pas. Hein. N'oublie pas. Parce que moi, je ne t'oublie pas. Hein. Ce n'est pas elle. C'est alors qui? Tu veux que je te montre? Ouais, tu veux que je te montre? C'est qui? C'est elle. Tu veux que tout le monde soit pas chez elle? Parce que moi, j'ai des photos que tu ne connais pas. Comment tu veux entrer dans votre tour de Bamileke là? Bye, au revoir. Je te dis que Nico Ketcha, pas là-bas. Fais attention où tu es. Bye. N'est-ce pas que tu as valorisé la reine galloise? Vous tous, voilà les problèmes qui sont là, la reine galloise, voilà les problèmes. C'est quoi? Elle n'a aucun don de ma part, aucun don. J'adore les moments comme ça là. Et il a bu jusqu'à. Je suis à Mita, je travaille à Mita.
quoi? Je suis là. Je suis tout partout. On m'a envoyé des petits gens qui me caricaturent dans les réseaux sociaux. Là. Je ne cite pas leur nom. Ce sont les petites blogueuses de yeah, yeah. Comme leur patron ne les valorise pas, elles savent que quand elles vont prononcer mon nom, quand je vais voir ce qu'elles ont fait, je ne vous prononce pas les noms. Vous n'êtes rien. Vous serez rien. Votre vie, c'est rien. Rien du tout. Votre vie, c'est rien, 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 rien. Regarde-moi, les. Vous ne pouvez pas faire vos vrais blogs. Les blogs, c'est raté. Je suis raté. Moi, je me demande où je suis raté. Avec quoi? Regarde, moi, je porte le crocodile. Hein. Crocodile. Je bois mon vin. Je fume ma cigarette. J'ai ma télévision. J'étais là maintenant, je dors. Et je me réveille demain, je recommence la même chose. Mon agent sort de vous, me connaissez. Quand mon ami me bat comme ça, les rien tombe. Je ne prononce pas vos noms. Parce que là où, même mon canapé, si vous ne pouvez pas vous asseoir ici, c'est les vrais gens qui viennent dans mon gada. Il y a des gens qui ne n'entreront jamais dans mon gada. Et quand je soutiens quelqu'un, je soutiens avec mon cœur, je soutiens que c'est ici qu'on parle. On écoute pour ce qu'il y a eu avec compréhension. Je m'en fous. Pour l'instant, je reste très calme. Juriste prudence. J'ai dit que tel Amougou, Kass et moi, avec les pichons, on va les supporter, compréhension pour ça. Là où on l'a mis, où c'est les gérés là-bas. On va dépenser. Est-ce que c'est ça? Et après, on va aller au bateau. Table royale. 3 000 euros. Oui, à minuit. Pas les rois, on dit là, après j'arrête les soirées. La plupart. Moi, je vais voir ma mère au Cameroun. C'est tout. Je vends mes terrains que j'ai envie de vendre. Je rentre en France. Bande d'idiotes. En tout cas, moi, je ne me prononce pas pour ce problème-là. Bon, pour les noms. Je ne me prononce pas de ce qui se passe avec ce monde-là. Bon. Avidate. I love you. I like you. À bientôt. N'oublions pas que Nondop met 300 euros. Merci à tous les gens qui m'ont regardé. La rose joyeuse. Je veux dormir dans mon bungalow. Il y a beaucoup de choses à faire demain. Il faut penser à mes 300 euros. C'est moi qui veux. Allez, j'ai à pipi que je ne lâche pas dans Yota. Merci. Bonne nuit, que Dieu vous garde. Merci à tous.